Tu vas voir, le général des armées est très sympa. Avec un peu de chance, tu t'en sortiras avec une peine de mort. Sans torture. Pourquoi tu lui as dit? Elle risque d'essayer de s'enfuir. T'inquiète pas, de toute façon, elle peut aller nulle part. Quoi? Mais qu'est-ce que... Et merde. Elle fonce vers le mur! Cette fois, je ne resterai pas sans rien faire. Attends, Ilien! Hé! Hey, elle s'est arrêtée devant l'avenue principale! Elle veut affronter Ilien. Nous ne devons pas intervenir. Quoi? Mais pourquoi? C'est bien trop dangereux. Il suffit d'une fausse manœuvre pour qu'on finisse encastré dans un mur. Et puis c'est son combat. Il s'en voulait de n'avoir rien pu faire lors de la mission de capture. Moi j'ai confiance en lui. Merde! Ilien! Quoi? Mais on peut pas le laisser. J'y vais. Non, Bella. Bella! Bella, pourquoi tu as fait ça? Qu'a-t-elle fait? Ilien, ça va? Oui. Occupez-vous de Bella. Qu'est-ce qui s'est passé? Un médecin, vite! Par la suite, Bella a été prise en charge en urgence par les médecins de la garnison. Elle avait subi de lourdes blessures. Elle avait pris un énorme risque en voulant aider Ilien dans son combat. Risque qui allait peut-être lui coûter la vie. Vous! Vous êtes bien les membres de l'escouade de Bella? Oui, en effet, c'est nous. Je suis le docteur Fuller. C'est moi qui suis en charge de son dossier. Ah, elle va s'en sortir? À vrai dire, son état est critique. Et elle souhaite vous voir maintenant. Venez les gars, on y va. Les gars? Bella. Je veux que...
vous sachiez que vous êtes sans doute les meilleurs équipiers que j'ai eus. Oh, merci. Toi aussi, tu es pas mal dans ton genre. Et... Ethan, je veux que tu me dises la vérité. Très bien. Je vais tout te raconter. Lorsque le titan colossal a brisé la porte, ça a été la panique générale. Nos escouades ont été placées de manière désorganisée pour défendre le district. La tienne était placée à l'avant. Et comme nous vivions à Shiganshina, lors de la mission, tu as voulu vérifier si tes parents étaient toujours en vie. Seulement, pour y arriver, tu as pris des risques incommensurables et inconsidérés. Je t'ai suivi. Et lorsque nous sommes arrivés sur place, tu as vu tes parents se faire dévorer sous tes yeux. Alors, prise de rage, tu as voulu tuer tous les titans qui étaient aux alentours. Seulement, ils étaient bien trop nombreux. L'un d'eux t'a foncé dessus. Tu es tombé. Et le choc a été tellement violent que tu as perdu la mémoire. Et tout ça, je le sais mieux que quiconque. Car tes parents étaient aussi les miens. Quoi ? Nous sommes frères et sœurs adoptifs. Tes parents biologiques sont morts lorsque tu étais toute petite. Pourquoi tu m'as rien dit ? Parce que moi non plus, je n'ai rien pu faire pour sauver papa et maman. Et lorsque je me suis rendu compte que tu étais amnésique, je t'ai confié à ton oncle. Et je lui ai demandé de te raconter ce que tu sais. Ma réputation de déserteur faisant le reste. Peut-être, mais tu as su faire en sorte que je reste en vie. Jusqu'à aujourd'hui. Et c'est déjà beaucoup. Merci. Bella ? Oh, Bella ? Messieurs, toutes mes condoléances. Bella nous a quittés. Alors c'est ça, la dure loi de la vie. Je ne la connaissais pas aussi bien que vous, mais cela m'attriste autant que vous. Ethan, je suis désolé. Ilien, être désolé ne changera pas les choses. Nous devons faire en sorte qu'elle ne soit pas morte en vain. La mort de Bella nous a tous miné le moral. Le coup a été très dur à encaisser, surtout pour Ethan et Ilien. Qui plus est, Lucie s'est enfermée dans un cristal fait avec la peau durcie de son titan, ce qui a rendu son interrogatoire impossible. Sans compter l'apparition mystérieuse et inexpliquée des titans dans la forêt lors de sa capture. Nous avions tous le goût amer de la défaite en bouche. Mais comme l'a dit Ethan, nous devons continuer d'avancer afin que Bella ne se soit pas sacrifiée pour rien. Nous devons nous battre pour que l'humanité retrouve sa dignité. Désormais, il était temps pour le bataillon d'exploration de refaire surface. Nous allons devoir choisir la personne qui sera désignée en tant que major du bataillon d'exploration. Une fois cela terminé, nous pourrons suivre les traces que nos prédécesseurs nous ont laissées il y a 3 ans, et reprendre les expéditions extramuros afin de reconquérir définitivement Shiganshina. Ethan, tu sais, si t'as besoin, on peut parler. Je suis pas un psychologue, mais ça peut te soulager, on peut discuter. Non merci, ça ira. On doit élaborer un nouveau plan. Je te rappelle qu'on doit reconquérir Shiganshina. Ce n'est pas faux. Nous pouvons prendre de l'avance. Même si le bataillon d'exploration n'est pas officiellement indépendant, cela ne nous dispense pas de préparer nos futures expéditions. Eh bah, pour une fois que tu es prévoyant. Hein ? Mais, c'est Liard, c'est toi ? Yep, ça va ? Alors, je t'ai manqué ?
c'est exact. Mais pour moi, c'est désormais du passé. Après tout, on n'avait plus rien à perdre. Quitte à mourir, je voulais être le plus décisif que vous. Cette fois, je ne resterai pas sans rien faire. J'ai fait un rêve un peu étrange, mais ça va. Nous allons voir de quoi il parle. Eh bah, pour une fois que t'es prévoyant. L'espoir de l'humanité repose sur cette opération. Si jamais elle venait à être compromise, la situation sera encore plus catastrophique qu'à l'état actuel. Commandant, vous êtes sûr que c'est un bon plan ? Je suis ici afin de confirmer les informations que nous possédons à votre sujet. Vous m'avez capturé ? Et alors ? Je ne vous dirai rien. À vrai dire, son état est critique. Et elle souhaite vous voir maintenant. Nous devons nous battre pour l'humanité. On va tous y rester. On va juste servir de déjeuner au titan. Si l'Ontina est tombé, le mur barrière va peut-être céder. J'espère vraiment que tu arriveras là où tu le souhaites. Dis grand-père, tu reviendras nous voir, hein ?